Salut à tous, c'est Alizéa, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Diablo 3, on est en saison 17 sur mon croisé, et comme je vous avais dit la semaine dernière, ou il y a deux semaines, je sais plus, peut-être les deux d'ailleurs, on va s'attaquer à la faille 90. Alors actuellement, on va voir le classement, je suis à une 89 en 7-0-3, donc c'est possible maintenant. J'ai encore d'équipements à récupérer pour pouvoir booster et power up mon personnage. Il n'y a pas eu beaucoup de changements. J'ai réussi à farmer les amulettes flamme infernale en ayant une CC, DCC et dégâts de feu. Du coup, bon, elle n'est pas en ancien. Avec un passif intéressant qui est indestructible, du coup, j'ai changé mon passif pour mettre inflexible ici afin de ne plus esquiver mais d'augmenter mes chances de blocage de 30%, ce qui induit tout simplement une réduction des dégâts subis de 51% de chance de bloquer. Et j'ai actuellement chance de blocage, c'est où, c'est en défense. Chance de bloquer, j'ai 57% de chance de bloquer. Donc ça me fait à peu près 20%, 25%, même pratiquement 30% de réduction de dégâts avec ceci. Voilà, voilà. Donc on va y aller, sinon je crois que j'ai pas d'autres changements. Voilà, je cherche actuellement toujours le point du mage et de quoi changer mes jambières pour mettre des pourcentages de feu supplémentaires. Sinon, dans l'ensemble, on est plutôt pas mal. Donc voilà, petit équipement fort sympathique qui n'a pas beaucoup changé depuis la dernière fois. Allez, on y va. On va tester cette 90 en avant. Toujours un peu Bagdad. Pour l'instant ça passe, par contre ces trucs là ouais, ils font mal à sauter dessus, à attaquer là comme des dégénérés. C'est pas forcément la meilleure unité que j'aimerais rencontrer. Laissez-moi tranquille! Putain, ça saute de partout. J'étais obligé de le claquer là, parce que là, c'était un petit peu la merde. Pour l'instant, pas d'élite et ça va. Oh là là, le taf du. Si je galope par là, parce que là, ok, c'était bien, très bien, mais bon. Ah, un élite. Ok, ça. Wouh! J'ai eu chaud aux fesses. Mon passif s'est enclenché et là c'est un cul-de-sac. Bon, du coup on va galoper là-bas. Qu'est-ce que. Faut aller par où? Faut aller par là. Ça reste chaud quand même, hein.
Allez hop, ça c'était des fragiles. J'adore le bruit qu'ils font quand ils meurent comme des... Oh là, ça ricoche sévère. Hein. Ah, il y a un élite. Bon bah ça va, ça passe pour le moment, c'est cool. Alors, là par contre... Oh putain. Ah, va falloir que je survive. Merci, petit compagnon. Il n'y a rien par là-bas. Là, j'étais un peu genre en stress parce que j'avais plus de passif, plus rien. Enfin, plus de passif. J'avais toujours mon passif, mais bon, si je peux éviter de le... De le claquer... quand j'ai la possibilité d'éviter... Ça, ça fait mal, cette merde. Wow! Là, tu tires à travers les arbres. Vive la réduction de cooldown, c'est vraiment sympa. Et je vais en avoir encore plus au fur et à mesure. Du coup, je pourrais un peu plus être offensif. Parce que le cooldown d'Akan est vraiment super important. C'est un petit peu la base qui me permet d'être d'être offensif. Et de pouvoir entrer dans le tas comme ça. En m'en foutant un petit peu de ce qui se passe tout autour. Un, ça permet d'augmenter mon armure. Et deux, j'ai un passif supplémentaire pour éviter d'y mourir. Et du coup, j'ai beaucoup moins... beaucoup moins peur d'y aller. Vous aussi mourrez, hop. Ah cool, ça par contre c'est bien ça. Je le prends. On arrive ici. Et on est sur le boss, c'est parti. J'ai... Rien à craindre. Par contre, ça reste long à tuer. Hein. Avec les rebonds en moins, c'est 7 minutes 12. Et bah, j'ai fait aussi bien la 89 que la 90, voire même mieux. Et bah, ma foi, fort sympathique. Donc, du coup, on va monter mes HM. Que je commence à galérer à monter parce que le taux de réussite s'approche de zéro petit à petit. Bon, là on a 60% et tout est passé, c'est bien. Mais voilà, dans l'idée, on monte tout doucement les gemmes. Et puis au bout d'un moment,
je serais un petit peu coincé, quoi. Mais bon, c'est pas le cas. On a encore une petite marge. Qu'est-ce qu'on a? De la merde. Ça dégage. Très bien. Alors, voilà, donc toujours full force. Hein, je cherche pas à comprendre. Ici, on a de la réduction de temps de recharge qui monte. Ici, on a de la régénération de vie et la découverte d'or. Donc, du coup, petit à petit, plus je vais monter, plus je vais farmer, plus j'aurai, comment dire, de résistance, de régénération. Je pourrais claquer mon champion d'Akara de plus en plus souvent. Donc c'est une très bonne chose. Par contre, au niveau des primordiaux, faudra repasser. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une 80, 92. Allez, on va tester en 92, c'est parti. Je me méfie de ces gros trucs machin là, parce que là, ça fait mal, ces merdes. Ça, j'aime pas non plus, ça, ces trucs-là. Là. Ah, il y a de la populace ici, c'est bien. Merde, j'ai cru que c'était. J'étais en train d'essayer de cliquer sur mon petit Diablo là, en disant ouais, j'arrive pas à le target. Oh putain, la vache. Ah, ces trucs là, c'est une horreur. Ah, elle a l'air plus intense celle-là que l'autre. Hein. C'est quoi ce TP là? Oh! Va te calmer, mon gars. Voilà. On est plutôt bien. Ah bah dis donc, ça enchaîne dur. Hein. Elle est géniale pour le moment cette faille. Bon, même s'il y a des monstres que j'aime pas trop. Et je vais dire ça et je vais me faire pulvériser. Je l'ai vu arriver, ça. Par contre, là, j'ai plus rien. Oh là 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 là. Ce magnifique petit protecteur qui a fait un packing de l'enfer, quoi. Avec des petits lag in game, c'est génial. Ça fait tellement mal. Mais il y en a combien là? En plus, sa tête chercheuse, c'est merde. Oh, c'est tellement jouissif les rebonds de boucliers comme ça, c'est ça attaque n'importe où, partout. Merde. Allez, mourez et m'embêtez pas.
Oh là, si j'allais dire j'ai plus de bouclier, mais si. Oh là 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 là, ce pack de monstres qui explose. Ah, ça c'était un bon niveau de faille, comme j'aime. Bon, je savais que c'était gérable sans claquer mon Hakan. Ça, par contre, ça va être un petit peu autre chose. C'est bon. Je le claque parce que là, les dégâts avec le poison au sol, etc., c'est un peu galère. Meurs! Voilà. Bon, là, on est sur une ligne droite, sur des tunnels, donc c'est un peu plus facile de gérer tout ça. Ah, merde. Ça, par contre, c'est chiant. Claquer mes trucs pour pouvoir y aller sans prendre de risques. Va-t-on mieux faire que la 90? En tout cas, cette faille était pas était bien sûr un petit lag. Voilà. Oh putain. Ça, par contre, j'aime pas trop beaucoup ça. Ah. L'esquive. J'ai cru que j'allais me prendre la charge, je me suis dit putain, je me suis pas assez écarté, je vais me la prendre en pleine face. Il va m'écraser comme une merde. Et bah non, je l'esquivais de peu. Et donc du coup, on valide cette 92 en 7.05, exactement comme la 90. Et merde. Et bah ma foi, plutôt pas mal. Hein. Ça avance hein, petit à petit. Mon petit croisé fait des merveilles. 92, je pense que ouais, 95, 100. Ça devrait aller avec ce que j'ai. Par contre, après, ça risque d'être extrêmement compliqué. Il va falloir que je power up un petit peu tout ça. Mais voilà, on avance. La 90, c'est validé. Objectif 80, 95 pour la semaine prochaine. Du coup, je vais continuer à farmer. Et à récupérer de l'équipement. Le plus simple à récupérer, c'est les points d'image en ancien. Si je peux en récupérer, ça serait bien avec des bonnes stats. Voilà, bah, c'est tout pour cette petite vidéo Diablo 3. On avance, ça fait plaisir. Juste voir le classement comme ça. Qu'est-ce que ça donne? 111. J'en suis dans 111. Oula, 20 niveaux. Déjà, si on atteint la 100, ça sera déjà pas mal, sachant que je n'ai pour l'instant utilisé aucun objet, enfin aucun bonus de 7, mis à part le bonus de la saison. Sinon, je n'ai vraiment utilisé aucun bonus. Je suis parti full
objets légendaires et anciens pour avancer avec mon personnage. Donc on va voir jusqu'où on va. Allez, voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne et à visiter mon petit lien YouTube. Moi, sur ce, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.